Contrôle d'identité, présentation d'un billet électronique, fouille des sacs. Il faut être patient pour essayer d'apercevoir le président dans son palais ce week-end. 3 fois contrôle d'identité, le sac 2 fois, la fouille au corps. C'est lourd pour un samedi matin, c'est vrai, mais bon, ça vaut le coup. Resté ouvert malgré les nombreuses manifestations dans la capitale, cette année l'Élysée a mis en place un système de réservation en ligne. Objectif, fluidifier les files d'attente et contrôler les identités des visiteurs pour éviter toute intrusion malveillante. C'est un peu notre patrimoine aussi, donc voilà, on veut voir comment sont ces locaux. C'est l'occasion de partager un petit moment de notre histoire et voilà, faire une belle découverte. Après un circuit à travers la salle des fêtes du palais et le bureau du président, une boutique de souvenirs estampillée Élysée attend les curieux dans la cour d'honneur. 20 000 visiteurs sont attendus tout le week-end.